connecté et tout super branché de la radio et téléproche. Eh bien, c'est vraiment un plaisir pour nous là après-midi hein, pour nous porter émission pour la pour proche au stade. Eh bien, qui passe sous antenne radio à téléproche chaque lundi pour arriver vendredi de 3h à 4h. Wen c'est lui même qui a fait toute manœuvre technique. Supervision docteur Yves Boissonnière, micro de présentation moi-même Adelson Kenito Junior et puis nous accompagné de Kervins. Et puis nous assister de Maître Laens. Jeudi, c'est lundi, le même 16 janvier eh bien 2023. C'est émission pour là qui rentre la KOC. Première sortie nous tout, eh bien pour semaine et si là. Mais quelques points capables de dominer l'actualité à l'échelle nationale. Eh bien, Gemel Chidael du Monet, lui-même, eh bien, qui finit là comme meilleure joueuse, eh bien, de moins de 20 ans, eh bien, Nabgenpoun vin pote détail. Nabgenpoun est parlé tout concernant Kevin La France, lui-même, qui s'y est, et yon accord avec yon club italien, et puis, Gen Hervé Basile tout, lui-même, qui s'y est, yon accord, eh bien, c'est dans la deuxième division italienne, Nabgenpoun vin pote détail. Gen yon paquet, eh bien, de nombreux et joueurs ou même footballeur haïtien qui te prend la rue, eh bien, pour te faire tant de voir dans la semaine, n'a bien pour venir parler de ça. Et puis, actualité à l'échelle internationale, hier c'était la grande finale de la Supercoupe d'Espagne, eh bien, équipe Real de Madrid, là, lui-même qui est arrivé remporter titre, Real alors qui est arrivé perdre titre ça contre équipe FC Barcelone, n'a bien pour venir pour tes détails. Nous prenons le dossier et transfert tout, et puis nous prenons l'autre information en bref, mais c'est pral. Après posant, nous pral prendre coup de posant, n'ap tourné, rete branché. Tous les samedis et dimanche soir, la radio Téléproche vous présente tant longtemps. Tant longtemps est une émission d'analyse et commentaires des chansons des années 60, 70, 80, 90. Radio Téléproche dit, prêtez les oreilles ou chita pour écouter belle musique avec mélodie qui a baille sensation, nostalgie, ça c'est émotion. Radio Téléproche. Ça qui passe? N'a brûlé. Bonsoir, amis mio. Moi, tu avais parlé créole haïtien mieux. Tout le monde sur la terre besoin de parler créole. Et ou même? Ou pas ta ramen parler le tout? Langue ça. Langue qui gen belle poésie. Langue qui gen belle parole. Belle histoire. Belle proverbe. Langue qui peut faire tout. Langue qui gen belle musique. Moussali, qui ka fait nan wolou. Tant que sa zan set nyo. Te kon kalon ne golon blan yo. Tant que ça casse yol, t'es dit bête là. Est-ce qu'on connaît parler? Est-ce qu'on voulait parler? Est-ce qu'on connaît écrire? Est-ce qu'on voulait écrire? Finalement, nous pourrions déshabiller l'angle. Nous pourrions décortiquer l'angle. Nous pourrions écrire l'angle. À linguiste Adélie Tapolinis et au même public là. Nous connaît parler? Connaît nous pourrions parler? Nous avons dit que nous avons dit langue maman, nous avons Haïti. Nous prenons le blaïl tout partout et même plus loin, sous tout l'univers. Radio, télévision, internet, veille langue tout partout. Si vous c'est la vie, c'est l'espoir sous la terre. Complexe de Reyes, qui gagne un centre formation professionnelle, une fondation à l'Académie de football, li, dit tout le monde qui connaît habitué à supporter le projet éducation et sportif Lio, merci, merci, merci. 2021-2022, 253 timoun bénéficiaient des services nous. Rêve nous pour année 2022-2023, c'est encadrer plus que 500 timoun. Mais j'ai la vie encore d'école là. Nous pas capable de kembe si nous pas jouer un bon parrain pour timoun. Ouvrez parrain, parrain, ou qu'a fait un don de $320 US. Ou bien 40 000 goud pour toute une année et puis pour ressusciter une fille parraine ou qu'a fait ça en trois versements. Aidez-nous s'il vous plaît pour ne pas varier, pour ne pas tourner une région dans la société.
yon parraine égal yon vie meilleure. Donc yes, ouais nan ça. Relé donc yes nan 36 88 88 23. Si ou l'autre bodlo, numéro zèl ou cachap nou, c'est 561 788 94 04. Ou bien, fait transfert direct pour DESSAINT WISLEY DC Wisley. Donc yes, dis nous, l'avenir d'abord, les enfants d'abord. Comme ça, nous ka gagner yon pays extraordinaire. Extraordinaire. Trois années sans choléra. Trois années sans choléra, vle di, ministère santé publique ak population pas détecté aucun moun ki gen maladie a pendant période ça. Mais bactérie ki bay choléra te toujours là. L'a besoin en pile temps avant li éradiquer. C'est seulement un spécialiste dans domaine la santé qui ka déterminer ou soit confirmer le gen yon maladie après test spécialisé dans laboratoire. Face à maladie choléra, en pile fois, c'est moun ki perdi temps avant à l'hôpital ak si la yo ki pa konn sa pou yo fè lè yo santi sintòm yo ki rive perdi la vi yo. Choléra ka traité facilement. Sa pi important, c'est pa perdi temps pou aller nan centre santé ki pi près ou la et puis ou ka tout commencer bwè sérum ou préparer la kayou ou soit sachet sérum oral. Nous devons toujours appliquer principe hygiène yo dans toutes circonstances. Laver men ak glo ak savon, boire de l'eau qui traité ak produit qui fait ak Clorox, Aquatab, Jif. Fait besoin nous dans toilette moderne ou soit dans la latrine. Une autre fois, eh bien, nous retournons, nous saluons tout le monde, eh bien, tout internaute nous et tout le monde qui déjà en bas live là. N'a pas demandé autant prix partager pour plus de monde capable ouais et live yo. Et déjà, Jean qui nous annonce là, sous panel là, nous pas pour compte nous avec Kevins avec lui qui n'a dit un grand bonsoir. Kevins, comment est-ce? Bonsoir Kenito, bonsoir Winsley, bonsoir Maître Lions Capacité nous là, bonsoir tout le monde et si tout le monde qui en bas live là, partagez pour plus de monde qui a participé ensemble avec nous. Déjà Kenito, c'est toujours un plaisir pour nous là ensemble. Et très bien, et mes points même cap à dominer l'actualité à l'échelle nationale, et bien sur le plan et bien national, et bien il y a un journal brésilien qui c'est Planeta Football et Fenimino. Eh bien, qui désigne là la star du football haïtienne et capable évoluer en première division française à Arkema, eh bien, dans l'équipe Stade de Remslan, eh bien, Melchidael Dumonet, pour un pile moun, connaît sous nos qui c'est Coven et Tina. Eh bien, c'est meilleur joueuse de moins et de 20 ans, eh bien, dans ce classement, l'idévancé et Linda Caicedo lui-même, qui en deuxième, qui c'est en colombienne, qui a joué dans l'équipe Deportivo. Et Kalian, li devance tout, et Vicky et Lopez, qui sont espagnols, li même qui retrouve la troisième position, et cap jeune équipe FC Barcelone et féminine, nan. Et puis en quatrième position, c'est Malteza Ali Boujeja, li même cap jeune club américain, et cap jeune équipe américain Pride of Orlando, et bien c'est Melchidael Dumonet lui-même qui en première position et bien dans classement ça qui et bien journal brésilien qui c'est Planeta et bien football Fenimino et bien mettez dehors Melchidael lui-même c'est meilleur joueuse de moins de 20 ans et bien qui soit pensé Hippolyte de Melchidael. Bon, Melchidael Dumonet et qui a fait un très beau saison avec l'équipe Stade de Rinslan, mais dit Haïti devant quand même, c'est bien pour l'international haïtien. On a parlé de Melchidael Dumonet, si nommé Coventina. On a toujours été dans Melchidael et Dumonet. Et bien, ça fait quelques jours là, et bien, nous Melchidael et Dumonet, et bien, t'as cité dans l'équipe olympique lyonnaise, et bien, désormais, c'est officiel, Melchidael Dumonet lui-même qui a fait un contrat avec Olympique Lyonnais jusqu'en eh bien 2026. C'est assez intéressant eh bien pour Joueza et Kervens. Oui, l'Odi Olympique Lyonnais, c'est comme si c'est équipe Real Madrid masculine dans affaire football féminin. L'Odi Lyon ou dit yo paquet de bagaille dans football féminin. Non, eh bien Dumonet signé pour 3 ans dans équipe Lyon, c'est bien
pour Melchi Daël Di Moni qui quitte stade de Rennes qui sien dans l'équipe olympique lyonnaise dans le pays en France. Et bien après Di Moni te sien dans l'équipe lyonnaise là, il t'a parlé, il t'a dit que ça c'est de toujours yon rêve pour moi pour me jouer dans l'équipe olympique lyonnaise et moi quoi club la pral aider moi progresser plus et moi gitan impatient pour me jouer ici là et puis pour me jouer avec et Wendy Rena c'est Melchi Daël Di Moni qui t'ai parlé comme ça qui dit tout et année 2022 a l'hypothé fou pour Melchi Daël Di Moni oui. Les meilleures joueuses et l'IFH et FHS et pardon les meilleures joueuses non seulement il était meilleur joueuse tout pour mois de décembre oui. Vraiment joueuse ça qui a fait parler de lui dans pays la France Melchi Daël Di Moni oui. On pile monde connaît sous nom ça Coven et Tina oui. N'a et n'a toujours été avec actualité à l'échelle nationale et bien de nombreux et bien footballeurs haïtiens ont même été arrivés prendre la rue là pour faire un devoir et bien c'est maintenant eh bien, on t'a pas demandé le retour eh bien, des championnats nationaux haïtiennes. Nous, là, après Kouski-Saint-Ville, et Gentou et Clifford Thomas qui t'a parlé, nous, on a pile joué là, qui t'a demandé là pour retour championnat national haïtien. Nan. Bon, oui, après Clifford, et puis plusieurs joueurs, et puis Yopre Larry là, il y a pas demandé retour championnat national là. Mais il y a tout moins de choses qui paraît bizarre, parce que pour le pays, pas de football la donne. Jean Clifford Thomas, tu parles, est-ce que ce problème gay, qui est bon, qui a dit que Haïti là, non, période gay, parce que si tout ça TV qui prend Cavalier, les gens ne jouent pas. Nous, 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 non? Bon, ça me dit, parce que si. Yon, l'instabilité politique, politique puis voilà, la sécurité oui, mais yon capable de prendre des mesures contre lui. Bon, qu'on y a la qui est-ce qu'on y a pas la responsabilité ça ah, ben pour l'État les mesures contre et sécurité parce qu'on paye vrai pas qu'à à pas pour pas de football la donne et ça fait un bon temps là qui pague et championnat national mais est-ce que moi-même toujours poser cette question ça est-ce que c'est pas même entourage d'Adou Jabayou qui toujours en tête fédération nationale là comme si yo façon de politique y a réglé si toutefois pas de football tout le monde va dire si d'Adou t'es là si d'Adou t'es là tape de football et oui, mais il pas là bon comme ça bon tu mais si t'es qu'à gain mais problème et sécurité ça est-ce que d'Adou t'a fait tout ça possible pour le défaire pour t'es qu'à créer football national dans pays ça j'en m'a suivre bagaille là mais est-ce que connia là c'est pas yo problème politique qui gain dans pays ou bien est-ce que c'est pas yo problème entre moun qui dans fédération et haïtien non ou bien est-ce que c'est pas toujours même moun d'Adou qui travaille pour lui pour faire politique ça veut dire pour moun qui a demandé retour d'Adou Jabba mais dossier qui devant la justice nous arrête bagaille n'a dit dans dossier d'Adou Jabba qui la FIFA a été sanctionné dans affaire football et mais pas de football dans pays ya ça son bagaille paraît bizarre plusieurs joueurs près la rue il a demandé retour championnat national là moi pense toute bagaille possible depuis Gauchy t'a parlé toute bagaille possible est-ce qu'il y a pour trois terrains peut-être pour qu'a fait le pisep yo ka prend trois terrains yo dit il y a qu'a fait oui. Régional oui on prend comme ça et puis pour jouer yo ka dégage parce que gay joueur vrai et c'est football là comme soit qui tout yo c'est football là il y a dégage yo gay côté avec ses clubs oui c'est professionnel oui c'est eux même en pile là tout c'est père de famille oui voilà oui pas gay football faut gain football pour capable joindre quelques petits frères pour ka investir dans petit yo dans famille et eux même tout oui bon parce que monde qui kebe football national là en otage parce que pour you faire en façon pour you et gérer ça et pour jouer football you car reprendre terrain avec club yo et en pile Jacques Neto dit là en pile c'est père des familles yo pas gain sérieux et ça you fait pour you vivre mes amis en libérer football national là ben même Jean Kouski Saint-Ville lui même il t'est parlé et bien semaine pas qui t'est passé hein il dit si tout et secteur même il y a fonctionné c'est pas pour football là qui pas capable fonctionner dans pays pas oublier et football là lui-même c'est avec lui-même Jean qui écosse qui te dit là nous gain Melchi Daël Di Moni si jodi en ligue droit m'était capable dit et bien parmi et bien 100 meilleures joueuses qui gain dans monde football féminin là qui t'est choisi par journal des gardiens c'est grâce à football local et national là si jodi en tout qui ca meilleure joueuse et bien de moins de 20 ans que et planeta football et féminin et féminino brésilien choisi
c'est grâce avec football haïtien. Oui, oui. Mais faut qu'on porte des sorties. Ou bien, il n'y a pas qu'à être comme ça tout le temps, tout le temps. Un championnat qui campe depuis 2 ans et demi. Oui. Ça veut dire que, mais faut que monsieur même, eh bien, à le repenser bagaille, sélection pas chômer. Même Jean Kouski te dit là. Oui. Mais faut football l'en jouer. Faut football l'en jouer dans le pays. Oui, football, oui. Et championnat national là. Je pense que, il y a un pile bagaille qui pour fait. Si nous avons eh bien remettre payant et sous rail pour nous avancer effectivement avec football là même qui gagne 2 ans et demi depuis le campé en pile dans joueur la plein gagne c'est lui même qui comme profession qui oui, vient oui. Pas être son métier oui. Et pour yo et gagne là-dedans tout c'est là yo fait quelques oui. Et intérêt yo créé quelques petit business tout ça yo des familles yo tête yo et madame yo petite yo oui. Mais il va carré comme ça faut qu'on porte des sorties et bien concernant eh bien, le championnat national haïtien, ça fait un bon bout de temps, pour ne pas dire 2 ans et demi depuis le championnat ça lui-même est campé. Nous avons quitté l'actualité ça rapidement, mais nous avons toujours été à l'échelle nationale. Eh bien, il y a international haïtien qui c'est Hervé, eh bien, Basile, lui-même qui dépose valise là, mais c'est dans la 2e division italienne, eh bien, et Grenadier ça qui rejoint club ASDA. Et va Magdalena 1963 mais c'est dans la 2e division italienne et qui joue ça lui-même Hervé Basile pour aller pour évoluer pour oui et n'a toujours été à l'échelle nationale gain et Auxerre qui visait pour l'arrivée internationale haïtien cap évoluer dans CSK Sofia nous voulons parler de Dickenson Nazon et puis les rouges CSK mandé dirigeant Auxerre environ 3 millions d'euros pour yota quitter et chouchou des Grenadiers aller dans l'équipe Auxerre n'a parlé de Dickenson Nazon qui fait un pile bagarre avec sélection nationale oui, haïtienne oui yo sinon il voit les chouchou haïtien parler de Dickenson Nazon et bien Auxerre qui est très intéressé pour le taille qui était international haïtien étape vraiment bon oui. Pour Dickens Nazon et puis gen, déjà nous connaît Hervé Basile lui-même c'est allé en Italie gen Kevin La France tout oui Kevin La France et qui allé c'est oui. En 2e division tout oui et dans pays l'Italie oui là joué dans le fait non Forfit à Calcio en 2e division oui en 2e division dans pays Italie. Mais rapidement, on a quitté l'échelle nationale. Bien, pour aller rapidement à l'échelle internationale, eh bien, hier, Kevin, c'était la grande finale de la Supercoupe d'Espagne. Eh bien, qui tournait en faveur de l'équipe FC Barcelona avec facilité qui arrivait à l'équipe Real de Madrid par 3-0. Mener 3-0 sur l'équipe Real de Madrid. C'est juste un temps additionnel. Oui, oui. Real lui-même t'abral réduit score là, Kevin. Oui, Barcelona hier remporté Supercoupe d'Espagne contre Real Madrid par 3-1 avec yo bon Gavi qui fait un très bon match. Gavi qui fait yo goal et puis le bail 2 passes décisives. N'a parlé de Gavi qui a joué dans l'équipe FC Barcelona. Et Bité Barcelona, c'est Pedri, Lewandowski et puis Gavi. Et puis pour Real Madrid, c'est Karim Benzema qui était marqué Green Goal Real de Madrid là. C'est presque un match. Tu es capable de dire Barcelone fait tout match là, dominer oui, l'équipe oui, Real oui, de Madrid oui. Là. C'est un Real de Madrid qui déparait, qui pas de camper sur un même, qui pas capable de résister avec assaut équipe FC Barcelone. Là. C'est presque du tac au tac oui. À pousser équipe. Et Real de Madrid là avec yon bon et Gavi, Paez lui-même qui était vraiment oui, on fire. Busquets, oui, et Sergio Busquets, oui. Malgré l'âge, il était dégagé là et assez et vraiment bien. Et gen Robert Lewandowski lui-même qui t'a pesé sous défense là. Gen oui. Tout et Pedri qui t'a pas sous école. Et bien, score final, c'est 3-1 pour le Football Club Barcelone. Et bien, c'est premier titre tout. Eh bien, et coach Xavi lui-même remporté avec l'équipe ça depuis qu'il est arrivé dans tête équipe FC Barcelone. Après match ça, à seulement 18 ans et 163 jours, eh bien Gavi, eh bien qui vient là le plus jeune buteur eh bien de la Supercoupe d'Espagne qui dépassait et coach actuel qui c'est Xavi Hernandez Cleus, il c'est 3e plus jeune buteur tout qui gagne un classico de Ansu Mané Fati et puis
Raúl González Blanco qui t'a joué à l'époque en équipe Real de Madrid. Oui, et puis pendant on va parler de Gavi Akedito, eh bien Gavi lui-même dans carrière li réussi impliqué sous 3 goals dans match football hier contre Real de Madrid côté il te fait yo goal et puis il te baille 2 passes décisives Gavi dans carrière li réussi impliqué sous 3 goals dans match football. Et c'est bien, n'a toujours été dans finale qui t'est joué hier là entre l'équipe Real de Madrid et la formation FC Barcelone, mais c'est l'équipe FC Barcelone qui sacré et champion. Après un match et ça, et bien que Karim Benzema et bien qui vient et bien premier joueur français qui marqué 400 goals. Mais c'est avec des clubs différents. Il était marqué 66 avec Olympique Lyonnais et puis 334 avec l'équipe Real et de Madrid dans Hippolyte. Et puis gain n'a toujours été dans la finale Super Coupe d'Espagne remportée par le football club catalan et football club Barcelone. Carlo Ancelotti pas jamais perdu au final depuis 13 ans et bien Barcelone de Xavi Hernandez mette fin dans série ça côté yo bat Real Madrid par 3 goals à 1 et puis yo tout mette fin avec 13 finales que Ancelotti pas jamais perdu. Et c'est ça, rapidement, n'a pas quitté Super Coupe d'Espagne. Eh bien, pour aller dans la, n'a pas fait transition, eh bien, pour pays, eh bien, l'Angleterre, bien, un derby qui était opposé, équipe Manchester et City contre Manchester United. Eh bien, derby ça, qui tournait dans avantage formation mancunienne, eh bien, lui-même qui arrivait, gain équipe Manchester City en part. Deux goals à un avec Marcus Rashford, lui-même, qui était marqué dans le match, si là, eh bien, pour équipe Manchester United là Ipon. Oui, pendant on parler de Marcus Rashford qui t'a marqué deuxième goal là pour Manchester United et bien Marcus Rashford vient premier joueur Manchester United qui marqué dans 7 matchs consécutifs depuis Cristiano Ronaldo en 2008. N'a pas toujours été avec information concernant Marcus Rashford et bien Marcus Rashford marqué dans 9 matchs consécutifs à Old Trafford, c'est lui égalé record et club là qui était gagné par Denis Violet en 1959. Et bien Marcus Rashford égalé record ça côté lui marqué dans 9 matchs consécutifs à Old Trafford. Et Marcus Rashford vraiment cap joue une très bonne saison là avec équipe Manchester et bien United là qui vraiment sous ça, mais c'est ça qui a pas mouillé Mayol et certainement bien pour équipe Manchester et United là et bien pour saison ça et bien qui joue 25 matchs qui marque 16 goals qui déjà bail 5 passes décisives et bien il participer et bien dans 21 goals dans 25 matchs qui équipe Manchester United dans lui-même l'arrivée marqué et bien joué ça lui-même qui on fire dans moment qui n'a pas parlé à Marcus Rashford international anglais et bien qui a bien comporté avec équipe Manchester United là et bien dans weekend ça qui arrivé gagne un derby qui était opposé et bien deux clubs et mancunien li gagne équipe Manchester City de Pep Salah Guardiola par 2 goals à 1. Et puis après match ça Bruno Fernandes a parlé de Marcus Rashford, il dit Marcus Rashford volume football l'a joué là, li parmi 3 joueurs qui gagne dans monde là cap jouer puis bien c'est Bruno Fernandes qui t'a parlé comme ça concernant de Marcus Rashford. Et puis après match ça gagne Alejandro et Garnacho, lui même qui c'est un jeune argentin et bien qui vini et bien premier et jeune joueur lui même qui arrivé faire une passe décisive et bien non derby qui était opposé Manchester United contre Manchester et City seulement à 18 ans. Oui, Garnacho ça et international argentin cap évolué dans Manchester United et bien il te baille yo passe goal les vine et puis jeune joueur qui baille yo passe goal dans derby Mancunien côté il te baille Marcus Rashford yo belle passe qui t'est mené deuxième goal là pour Manchester United et puis Xavi comme entraîneur équipe Barcelone c'est 62 matchs et en tant que coach pour FC Barcelone 37 victoires 12 défaites et puis 13 matchs nuls depuis les Xavi a entraîné Football Club Barcelone pour un titre. Oui, et puis il prend un titre. Oui, qui remporte le premier titre c'est contre Real de Madrid.
Et puis n'a toujours été à l'échelle internationale, mais fois ça nous bral gen pour nous parler de Steve Mandanda. Et bien c'est officiel, international français, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et bien qui annoncé retraite li avec sélection française. Oui, Steve Mandanda qui a annoncé retraite li dans sélection française là après Hugo Lloris t'a annoncé li mette fin bien kounya si Steve Mandanda m'a dit la France qui perdit et dégagé et tout dit qui mette fin et Steve Mandanda et qui c'est champion du monde 2018. Oui, et puis Hugo Lloris et Steve Mandanda champion du monde 2018 et puis vice champion en 2016 et puis il était finaliste non et coupe du monde 2022 Steve Mandanda qui mettait fait non et sélection française là et puis et toujours en Angleterre et bien a quitté Steve Mandanda bien Liverpool là oui, et Kevin oui, bagaille pas qui, même qui pas bien marché dans moment qui n'a pas là qui retrouvé là 8e et position et bien dans première ligue et bien et anglaise l'équipe qui perdit 2 matchs consécutifs devant Brentford, il était prend 3 goals à 1 oui. Et puis devant Brighton il prend 3 goals à 0. Et bien messieurs, et Jürgen Klopp là, c'est compliqué dans le moment qu'il n'a parlé à vous et équipe Reds de Liverpool. Oui, bagaille compliqué pour les Reds de Liverpool malgré yo requitté Gakpo et international hollandais qui saute faire yo beaucoup du monde pour la Hollande et bien Liverpool qui requitté Gakpo malgré Gakpo arrivé dans l'équipe ça mais bagaille et pas bien marché même pour Liverpool côté dans week-end là yo perdu 3 goals à 0 face à Brighton et malgré ça et président et club là toujours gain confiance non Klopp et fanatique qui t'a dit et malgré bagaille pas fin OK mais qui était Klopp fanatique qui gagne bon et qui go bon pour l'amour pour Jürgen Klopp parce que oui qui ba résil là tout parce que yo songé ça Klopp fait avec équipe Liverpool là et bien fanatique qui dit ba toujours et Kébé Klopp dans tête et Liverpool et bien t'es gon on chita parler malgré et yo mettez Liverpool et à la vente et yo dit sota jeune bon fort pour club là y a venu mais et propriétaire et club là dit malgré ça il t'a souhaité moun qui gè pour acheter et Liverpool pour toujours Kébé Klopp dans tête Liverpool parce que yo toujours connaît ça Klopp fait pour équipe là. Non, c'est Klopp et c'est un entraîneur lui-même qui gagne caractère. Oui. Non seulement qui gon façon li gérer groupe li effectif li et si pour nous dire comme ça. Oui. Yo gagne pas mal de bons joueurs, si nous d'après citer Mohamed Salah, ça fait longtemps l'a fait parler de lien d'équipe Redsland, gagne tout et Darwin Núñez. Bon, Núñez ça qui t'est intégré. Yo gen Roberto et Firmino oui. Nous et des fois qui veut prendre échange là pour le mettre oui. Sous dol oui. Bon penser que équipe Liverpool là est capable retourner et joindre forme ni pour capable continuer jouer dans championnat et pourquoi pas sur le plan européen. Bon Liverpool lui-même qui pas facile quitter bon joueur aller comme ça moi toujours poser ma question pour ça yo quitter Sadio Mané aller dans équipe Bayern de Munich là. Et puis Sadio Mané son joueur là et qui vaut moi dit 100 millions mais malgré ça petit pay money moi c'est pour 45 millions et où Liverpool te vend Bayern ni gardi c'est un erreur club là te fait l'elle te quitter Sadio Mané aller qui était déjà entré dans oui qui était déjà entré oui tactique équipe là oui voilà et puis malgré ouais face Real Madrid nous tourner sur finale là et 2018 là et malgré Salah blessé Ramos te retire Salah dans finale là grand bonheur. Et puis malgré ça c'est Mané cap kembe et devine mettre match à et un goal partout et Mané t'a dit qu'il était Jean qui tout dit là qui était entré dans philosophie Klopp là et malgré ça il a dit c'est une erreur et dirigeant au fait l'a quitté et Sadio Mané et quitté il a été à l'été rejoindre et football club bavaroise et Mané cap bien comporté avec Bayern de Munich malgré blessé il pas dans le jeu mondial mais Mané qui reprend qui prend entraînement avec Bayern de Munich il a dit Liverpool sont ses problèmes pas dit ses problèmes et magnifiques cap craser mais quand même Liverpool qui gagne un problème aller offensif là il a dit que si Mané était là il tape utile quand même il était porté dans secteur offensif pour équipe et Liverpool là. Oui. En tout cas, nous va pral montrer nous puis Alice que le roi et c'est au même qui connaît pour qui raison mais on t'a quitté jouer lui-même y aller
Et rapidement, nous avons quitté le pays l'Angleterre, fois ça, et nous allons aller à la France. Nous faisons transition pour le pays la France. Eh bien, l'équipe Lancelin, lui-même qui a quitté battre l'équipe Auxerland, eh bien, qui tout passé à 3 points là, oui. Sous l'équipe Paris Saint-Germain, c'est oui. Pour, et provisoirement. Équipe Lancelin qui a bien comporté lui qui deuxième dans Ligue 1. Bon, il n'est pas comme si il vient mm-hmm. comme si provisoire parce que Paris qui perd hier. Oui, Paris tombé. Merci pour pour précision, Paris qui tombé. Eh bien, équipe ça Lens qui a bien comporté les bien pour saison en Ligue 1 en France. Eh bien, qui déjà fait 13 victoires, mais qui fait 5 nuls, eh bien, qui fait une seule et défaite. Eh bien, équipe ça qui a bien comporté, eh bien, déjà on dit bravo avec Ossan et Oyo, eh bien, qui réalisé une saison exceptionnelle. Eh bien, équipe ça qui a bien comporté là, eh bien, équipe Lancelin, lui-même, et qui passait devant équipe Paris Saint-Germain, lui-même, qui fait une autre défaite encore, Hippolyte. Oui, et Paris qui fait une autre défaite, mais c'est contre le stade de Rennes, côté et Paris il perdit un goal à 0, goal qui était marqué par Traoré, son match football, moi t'a suivre, moi pour pas Neymar même dans match football c'est là et Messi qui bat Mbappé un beau passe, Mbappé qui veut face à et goal qui perd mais Mbappé et qui t'est frappé à qui t'est tort croisé et ballon qui part entrer dans goal là a dit c'est un Paris Saint-Germain mm-hmm. et a dit sur le plan défensif qui pas fini que même malgré oui mm-hmm. a dit Paris qui pour qu'a gagne une stabilité jouet li avec un Ron Bernard et cap juste côté gauche là a dit qui pour qu'a porter fruit mm-hmm. et puis avec Josep Ramos Marquinhos mais si ça yo jusqu'à date quand même c'est des défenseurs qui gagne très haut niveau mais yo pou ka bien adapté yo en bas défense Paris Saint-Germain malgré Paris a joué football vrai mais toujours Paris et attaquant qui toujours apporter danger avec défense Paris Saint-Germain Paris qui perdit un goal à 0 contre et stade de Reims et bien et Lensan qui était déjà gagné et bien Paris qui était avec 47 points et puis Lensan venir en deuxième position avec 44 points et puis en troisième position c'est Marseille tout cap bien comporté le Kenito il était sous 7 victoires là en confiance il était sous 7 victoires consécutives dans Ligue 1 et bien et il a gagné troisième place là avec 43 points et Marseille qui derrière d'où et Lens qui en deuxième en position. Oui, équipe Lancelin, c'est lui-même qui a mené Ligue 1 à l'actuel en France, qui gagne 3 points là par rapport avec l'équipe PSGA qui tombait eh bien pendant le week-end là. Rapidement, on a quitté le pays la France, eh bien on a traversé en Espagne pour nous parler de jouer ça. Sergio Busquets, eh bien lui-même, ça fait quelques temps qu'il a joué sous couleur équipe FC Barcelona qui champion avec la sélection espagnole. Eh bien Busquets lui-même c'est désormais qui déjà joué 700 matchs sous couleur équipe FC et Barcelona. Eh bien qui vient là eh bien parmi joueurs qui pi capé eh bien au niveau du club barcelonaise. Sous d'après Lionel Andrés Messi qui est en première position avec 778 matchs. Xavi Hernández Cleus qui c'est coach actuellement lui-même qui déjà joué 767 matchs et puis Busquets lui-même qui vient en troisième position avec 700 matchs pour le football club et Barcelone. N'a toujours été dans Busquets lui-même qui prend 5 coupes du monde des clubs de la FIFA avec équipe FC Barcelone. Il prend 3 super coupes de l'UFA et il prend là on a fait des 129 ligues et on est capable dit a fait Ligue des Champions et au gain 6 c'est 6 Ligue Europe il a fait des 465 match alors il joue 129 match de la Ligue des Champions avec équipe et FC Barcelone et il joue 6 Ligue Europa avec équipe FC Barcelone et puis il joue 465 de la Ligue et m'était capable dit Liga espagnole et puis il joue 73 Copa
et Del Rey et puis 19 Super Coupe d'Espagne et bien et Sergio Busquets ça fait le au total 700 matchs qu'il joue avec équipe FC Barcelone 5 Coupe du monde des clubs de la FIFA 3 Super Coupe et de l'UEFA 129 et bien Ligue des Champions 6 Ligue Europa et puis 465 Liga 73 Copa del Rey et puis 19 Super Coupe d'Espagne et bien Sergio Busquets ça fait au total là Kelvin 700 matchs avec équipe FC Barcelone. Oui, 700 matchs pour Sergio Busquets et capitaine Blaugrana et Skadata qui a bien comporté. Hier, on a suivi le match final Real Madrid là. Busquets avec malgré problème l'âge, mais son Busquets qui a fait ce qu'il est ballon, qui était responsable de mettre en terrain pour FC Barcelone, malgré il fait Gavi avec Pedri avancé. Parfois, tout le fait fois qu'il est en campé avec, parce qu'il n'a pas abordé l'âge avec un Vinicius et puis un Koussakou avec, oui, qui était rapide. Il faut qu'il ait un campé avec, mais son Sergio Busquets, on a dit hier, ça me tape suivre là, c'est un Busquets qui a gagné dans la sélection espagnole là. Malgré l'âge Busquets, c'est vrai, mais des fois, il y a des gens qui ont dit qu'on a un petit déchet et dans le jouet li. En oui, tout cas, oui. Ça arrive à tout le monde. C'est un humain et que lui, il doit dans quelques jours, il doit pas en forme. Mais hier, Busquets lui-même était bien comporté, il était bien épaulé tout par Pedri et puis Gavi. Eh bien, des jeunes joueurs espagnols, ça, vraiment. Surtout, Gavi, qui était on fire Hippolyte hier pour l'équipe FC et Barcelone. Et puis, pendant nous avons Gavi et puis Sergio Busquets, hier, nous avons parlé de la Super Coupe d'Espagne. Eh bien, équipe qui plus titre dans la Super Coupe d'Espagne, c'est Barcelone qui gagne 14 titres, Dendoul gagne Real de Madrid qui gagne 12 titres et puis gain Deportivo La Coruña avec Atlético Bilbao yo chaque gain 3 et puis gain Atlético de Madrid qui gagne des Super Coupes d'Espagne. Et n'a pas toujours été à l'échelle internationale mais n'a tout profité saluer tout le monde qui en bas et live yo mais n'a demandé et bien et en prie pour partager et pour nous et puis gain Robert Lewandowski et bien 22 matchs qui vient là. Eh bien, joueur qui plus rapide, qui déjà atteint eh bien 20 goals avec équipe FC Barcelone, eh bien, dans la compétition officielle depuis eh bien, Ronaldo Luis Nazario da Lima, qui est arrivé faire ça en janvier 1997, lui-même qui a marqué 22 goals pour le football club Barcelone. Et puis Real Madrid qui raté occasion pour le ta approcher des rivales catalans. Real Madrid qui remporté 12 fois Super Coupe d'Espagne et Barcelone qui remporté 14 fois Super Coupe d'Espagne. Et bien Real Madrid qui raté occasion pour te rapprocher des rivales en catalan. Et puis dans 251 rencontres que deux équipes ça joué, n'a parlé de Real Madrid et puis Football Club Barcelone, c'est 101 victoires pour Real Madrid, 98 victoires pour Barcelone et puis 52 matchs nuls et deux équipes ça yo c'est deux grands rivales cap évoluer dans le championnat espagnol. N'a pas toujours été à l'échelle internationale. Eh bien, nous et comment ça est. Eh bien, dans principal ligue, nous sommes capables de dire championnat européen que plus moun yo même et bay plus valeur. Nous sommes capables de dire plus garde babo ici. C'est 5 championnat alors majeur européen. Eh bien, on ouais qui équipe lui-même qui gagne plus points. L'équipe Real de Madrid lundi plus titre, qui déjà a gagné 99 titres pour le Real. Et puis FC Barcelone a gagné 98 en deuxième position. Et puis en troisième, c'est l'équipe Bayern Munich qui a gagné 82 titres. Et puis quatrième, c'est Juventus qui a gagné 70. Liverpool, cinquième, 68 titres. Et puis Manchester United qui a gagné 66 en sixième position. Et puis en septième, c'est le Grand Milan AC de l'Italie qui a gagné 48 titres. Il y a Arsenal lui-même qui a retrouvé la huitième position qui a gagné 48 titres. Et puis PSG qui a gagné 45 titres en neuvième position. Et puis Inter de Milan qui a gagné 41 titres, et bien, et qui c'est comme ça, et bien,
et bagaille là lui-même lié en Europe, mais c'est équipe Real de Madrid dans lui-même capable dominer Kevin's avec 99 et titre. Bon, Real Madrid tout le monde se nomme qui roi de Europe dans affaire club et capable dominer qui gagne 99 titres, c'est déjà beau pour et pour les hommes de Florentino Pérez, boss Real de Madrid capable dominer dans affaire titre officiel que Et notre titre officiel n'a pas parlé de Real de Madrid qui remporté 99 titres officiels de Doul Gay Football Club Barcelone qui gagne 98 titres officiels. Ah ben c'est pays l'Espagne qui a fait parler de lui en Europe. Oui, oui, c'est pays l'Espagne qui a fait parler de lui en Europe. Et puis, il y a Ousmane Dembélé qui était sous 9 Classico qui pourquoi marqué yon goal pour FC Barcelone. N'a parlé de Ousmane Dembélé. Et puis, n'a tout profité saluer tout le monde qui en bas live là. Il y a Luné Argent lui-même qui en bas live là. Et gain déjà when c'est lui Yvna Koula, ça c'est moun pa nous et bien yon pléiade et de moun yo même qui en bas et ben live là lesquels désir on adoken pub tout adoken pub et qui là on ri c'est fort qui pa jambala qui ses amis pa nous pa boy site et puis et yon moun tankou menol. Il dit lui-même lui pas j'aime pas brancher bien que c'est sur radio lui pas de problème et bien nous saluer tout le monde yo même qui en bas live là même cap suivre dans mouvement proche au stade Kelvins. N'a continuer gain Luka Modric 37 ans li vienne jouer qui pi âgé qui joue yo final de Super Coupe d'Espagne. N'a parler de Luka Modric. Et puis gain Ener Valencia lui même qui c'est un international équatorien capable évoluer dans pays la Turquie en équipe et Fenerbahçe et bien Ener Valencia lui-même et qui c'est leader et bien dans classement et m'était capable dire meilleur buteur Super League de la Turquie et bien qui jouait 15 matchs pour 15 goals c'est oui, belle ratio oui, différence oui. C'est un goal par match oui un goal par match Ener Valencia oui, qui était marqué 4 goals dans la Coupe du Monde oui, dernière édition, 4 goals oui. Mais c'était bien dommage qu'il était quitté compétition en phase de poule. Oui oui. Mais qu'a bien comporté dans pays la Turquie, Jean que nous disons qui déjà marqué Super League là. Et 15 et très bien qui déjà marqué 15 goals pour 15 matchs et puis qui baille ont fait des pas et 4 passes décisives et bien jouer ça vraiment qu'a bien comporté là et bien dans pays la Turquie. Oui, c'est bien pour international équatorien, on a parlé de Ener Valencia. Et bien n'a pas toujours été avec information yo Karim Benzema hier raté et 24e trophée pour te rejoindre dans Marcelo M12 en tant que joueur équipe titré et dans histoire Real de Madrid. Et bien et Karim Benzema raté 24e trophée pour te rejoindre Marcelo M12 qui vient jouer équipe titré dans histoire Real de Madrid. Actualité même y a toujours et continue sur antenne radio téléproche. Eh bien gain et Paulo et Dybala qui est aussi nommé les snipers. Eh bien lui-même et qui déjà inscrit 28 goals eh bien en dehors de la surface eh bien de réparation depuis février 2015 en Serie A italienne. Eh bien c'est celle Lionel Andrés Messi là pour le Galapus qui est arrivé faire mieux et qui jouait ça. Eh bien lui-même qui t'a fait on a fait des 55 goals eh bien et en dehors de la surface eh bien dans 5 ans grand championnat majeur européen et oui et puis d'après toujours été avec information yo gain 5 joueurs qui jouaient pour FC Barcelone et puis yo jouaient pour Real Madrid dans histoire et classico et en première position c'est Luis Figo l'il était quitté équipe et football club Barcelone c'est 24 juillet 2000 l'il était signé dans club Real de Madrid là en provenance de FC Barcelone pour 62 millions d'euros les ça il était joueur et qui est piché dans le monde football là avant il prend l'autre jour laisse ça va Figo pas vouloir aller non c'est madame Nick t'as le ball pression oui oui ball pression équipe FC Barcelone madame Nick dit c'est pas n'importe équipe qui m'a rendez-vous c'est Real de Madrid. Oui. Que l'on veut ou pas, c'est qui l'équipe FC oui, Barcelone. Bon, il s'était obligé d'obéir avec madame. Oui, il était signé dans l'équipe Real de Madrid. Là. Et puis, numéro 2, c'est
Ronaldo Nazario da Lima, il était joué pour FC Barcelone et puis il était joué pour Real de Madrid. Leli si nan Real Madrid en provenance Inter de Milan pour 46 millions d'euros. Et à la grande joie les des autres galactiques tout comme Zidane et puis Tegué Beckham, Beckham oui, et puis Tegué Roberto Carlos t'es dans l'équipe Real Madrid là bel milieu défensif argentin oui il était dans l'équipe ça et puis malgré problème blessé mais Ronaldo Nazario et Dalima il fait grand succès avec Real Madrid côté il remporté et Ballon d'Or et puis il était prend titre Liga et puis il était prend coupe et il te prend super coupe incontinental et puis il te prend super coupe d'Espagne et puis il te marqué 83 goals pour 127 matchs qu'il te joué avec Real de Madrid. Nous voulons parler de les phénoménaux Nazario da Lima et puis en troisième position et te gain et Michael Laudrup il te joué pour Barcelone la et puis te joué, la droite pardon il te joué pour Barcelone et puis il te joué pour Real de Madrid et puis 4e joueur qui te joué pour Barcelone et puis il te joué pour Real de Madrid gain Luis Enrique et puis 5e joueur c'est Bede Antuste qui te joué allemand oui allemand qui te joué pour Real de Madrid et puis il te joué pour FC Barcelone. En parlant de Ben Chustel, devine coach équipe Real de Madrid là tout oui oui Michael Laudrup c'était un grand joueur boule c'était un danois oui. C'était deux fois Brian Laudrup et puis Michael. Même si ça a été venu quitter boule, c'est en raison, il était très riche. Nous avons des Scandinaves, nous avons des grands pile quoi. Il était venu à laisser quitter à faire football, mais c'était des très bons joueurs. Et bien, des Danois, et bien, en génération, et bien, 90 ans, Michael Laudrup. Et puis Brian Laudrup. Et puis Thierry Henry qui parlait, il dit tout club européen paie Real Madrid et puis Real Madrid lui-même il paie FC Barcelone. Thierry Henry qui t'a parlé comme ça, il dit tout club européen paie Real Madrid et puis Real lui-même il paie Barcelone. Et à menti non, nous toujours à suivre ça non. Pour qu'ils soient dit. Bon, après malgré Real en forme ou bien malgré Barcelone lui-même il pas en forme dans moment, mais depuis c'est face Real Madrid ou Barcelone toujours baille bon prestation face Real de Madrid. Je Barcelone toujours motivé ou yo gion ambition pour battre Real de Madrid. Yo toujours baille tout yo même malgré Barcelone pas bon ou malgré wel un petit club te battre mais l'Elvin compte avec Real de Madrid ou et forme joueur yo t'a dit que football football club Barcelone non il pas en forme ou c'est bon Barcelone et cap tout fait Real de Madrid malgré parfois Real de Madrid a battre mon ouais Barcelone qui en mesi pour li bay tout les mêmes joueurs cap bay tout même pour ta battre Real de Madrid et nous sommes 5-0 côté piqué c'est pas peur non papa bon. Ça crive des fois concentration motivation bon, oui oui c'est pas peur parce que si mémoire me pas fait défaut équipe Real la battre Barcelone plus oui oui ah, mais ouais papa génération ça génération Barcelone ça capable briver et pas génération ça seulement non depuis ouais génération ça vie oui Messi oui Iniesta David Villa oui génération ça yo capable ça capable briver yo gagne équipe FC Barcelone là et équipe Real la alors plus mais pas bon peur c'est football qu'a jouer mais dernier score football la conscience exacte c'est sous terrain ballon joue comprendre bon oui en tout cas Thierry lui même qui était ouais bah yo comme ça il te dit tout club européen paye Real Madrid et puis Real lui même il paye Barcelone moi même moi dans bord Thierry Henry moi toujours sur ça et dans joueur Real Madrid yo moi dans bord Thierry pas oublier tout Thierry Henry c'est ancien joueur équipe FC Barcelone non comprendre on toujours capable boire ça on toujours un petit polémique ça yo. Mais Xavi là il était en gain les dessus pendant trois fois là sous Carlo Ancelotti dans titan qu'elle venir oui 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 parce que m'a rappelé Carlo Ancelotti était bon 4-0 dans Meo dans championnat oui Liga c'est année passée oui année passée mais passé. Et Real était perdu 2-0 dans pays États-Unis dans match amical 1-0 c'est Rafinha qui fait goal ça oui mais dernière fois là Real t'est battu 3 goals à 1. Oui, moi même oui. Et pendant trois fois là, oui. Bon, Xavi gagne les deux sous si, oui, pendant Ancelotti oui, petit bout de temps petit bout de temps, mais dit pendant quatre matchs Xavi joué face Ancelotti à un rival entre Barcelone et Real de Madrid, c'est deux victoires et pour Real de Madrid et puis et deux victoires pour Barcelone. Non, c'est six matchs de préférence, il joue la six matchs.
Oui, yo t'a joué dans Super Coupe. Dans Super Coupe là, d'Espagne là. Mm, oui, ça Real de Gué, 3-2. Oui, 3-2. C'est 3 victoires pour Barcelone, 3 victoires pour Real de Madrid dans 6 derniers matchs qui ont joué. Et puis n'a pas traversé dans dossier et transfert, et bien gen jeune joueur ukrainien ça qui t'a pas évolué dans Shakhtar Donetsk en Ukraine, et bien qui c'est Mykhailo Mudryk, et bien lui-même qui signe là avec et bien et Chelsea nous connaît qui non état critique là, et bien capable goumer sérieusement pour essayer renforcer effectif yo, et bien joueur ukrainien ça ailier ukrainien de 22 ans ça, et bien qui signe avec formation et bien Blues et de Londres là, et bien il dit il est tellement et pour le rejoindre équipe et Chelsea, eh bien il travaille avec Egres Couplan, eh bien pour voir qui Jean est capable joindre une place en dans effectif Chelsea capable dirigé par Graham Potter lui-même qui c'est nouveau coach équipe Blues de Londres. Oui, pendant il va parler des transferts ça, on croit c'est 100 millions et Chelsea paye 100 millions. Oui, 100 millions, Chelsea paye pour le gain service et jouer Shakhtar Donetsk là. Négatif ancien joueur Shakhtar Donetsk là, n'a parlé de Mudryk qui signe avec Chelsea, mais moi-même quand tout dernier temps là, pas comprendre club même, mais depuis joueur a fait un bon saison dans club, tandis 100 millions, c'est 90 millions, c'est 70 millions et bagaille kounya m'a dit qui vient gâter, kounya là depuis club yo pas gagne coupe, yo pas ka gagne bel petit joueur, mais les joueurs vini en sérieux, il va même venir faire dans club même quand tandis 100 millions, c'est 90 millions pour Chelsea là qui était signé en défenseur et c'est quoi c'est Fofana, oui et c'est Fofana il était signé David et Kwato oui. Fofana oui Fofana il était signé oui il vient défenseur qui qui piche bon si Fofana malgré c'est un jeune défenseur tout lui qui a signé pour 92 millions et pour lui vient défenseur qui vient piche là et si on monde a besoin aider militaire ou et si on là ta besoin bon ta vient besoin Marquinhos bon pour me citer ça seulement parce que par rapport avec l'agio bon comme Ramos eux même yo l'agio est un problème on pas citer ça seulement qui pas oui Marquinhos et Demita au jeune jeune dépenser ça comme si au club même besoin eux même comme si combien copie pour le dépenser pour ta gagner et jouer ça parce que attendez qu'on a club là depuis au besoin jouer depuis jouer a fait un bon saison dans club li qu'on a depuis au besoin ce club a demandé 70 millions et dernier cop garder monde du club qui fait un bon saison avec Shakhtar Donetsk Michel Siget en Couissienne pour 100 millions d'euros. Bon. M'te gen chans wè Mudryk et contre Real Madrid. Oui, n'y a l'air très bon match. Oui, très bon match. Ça fait un ça qui fait une bonne saison avec Shakhtar Donetsk. Mais qui ça comme si pouvait que jouer Calvin Chelsea là, il pas capable. Ça qu'arrive il vient confiance. Est-ce qu'il va gagner tant de jeux tout? Bon. Et tout ça tout Chelsea son problème par rapport avec Shakhtar Donetsk. Oui, par rapport avec Shakhtar. Bon, comme bon, on connaît des monde qui pas comprendre recrutement club yo ça veut dire les aussi on jouait pour yon montant comme si qui évalue 90 à 100 millions d'euros comme si non contrat joueur li pral vinn gen un temps de jeu avec club ça ça veut dire si aussi on pour 100 millions d'euros ça veut dire et chaque talent avec lui même avec et monde qui dans clan joueur on dit argent oui argent et avec comme si on connaît tout malgré argent allié tout monde qui dans clan joueur comme si yo toujours signé quoi parce que compte pas jambe petit ça qui arrive dans gars football là nous dit joueur signé pour 100 millions mais nous pas qu'un détail yo voulez nous pas jambe connaît détail yo comme si qui ça qui signé n'a pas appelé bricté fait dans dossier Neymar les qui traverser l'équipe FC Barcelone non voilà avait dit les joueurs signés dans club là pour monter comme ça avait dit les supposé gagner un montant match les supposé jouer tout à fait ça faut glitch dans club citizen non malgré les beaucoup cap forme livré par rapport des glitch de connait dans équipe Aston Villa ouais Guardiola toujours en balle c'est un autre Jack Grealish voilà son autre Jack Grealish qui rejoint dans Manchester City mais malgré ça ouais Guardiola parfois lui mettait Jack Grealish commencer lui fait Jack Grealish jouer parce que non contrat joueur et yo mandé pour jouer jouer yon montant de match et ça c'est compté on m'a dit et Mudryk et Chelsea signe pour 100 millions et voilà avait dit et Mudryk gen toute chance pour le jouer t'as dit c'est Joao Félix peut-être c'est prêté la pagaie trop détail de prêté ya, oui des dossiers ça mais Mudryk lui même il gen chance pour le jouer parce que non contrat la gen autant de jeu pour le jouer avec club Chelsea et qui rejoint le club là pour 100 millions d'euros en provenance de Shakhtar Donetsk.
Bon, nous prenons ça que Mikhailo Modric pral pote, non seulement il y a ces jeunes qui ont 22 ans, et il y a ça, n'a pas été qui s'en va avec l'équipe Chelsea. Oui, n'a toujours été avec dossier transfert, gen club Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, et yo vle yo très intéressé pour ta recruter Keylor Navas après blessé Ospina David Ospina qui blessé et bien colombien. Oui colombien et bien Al-Nassr qui très intéressé pour ta signer Keylor Navas. Et puis Barcelone lui-même li vle faire un échange avec des joueurs Inter de Milan, la baye Inter et deux joueurs, et puis pour Inter Bali des joueurs, li vle baye Memphis Depay, et puis li vle baye Franck Kessié, et puis li vle et prend nan Inter de Milan et Joaquin Correa et puis Marcelo Brozovic selon oui quoi là et il remplace Sergio Busquets. Oui pour David remplacer Sergio Busquets et bien Barcelone voulait faire un échange avec Inter de Milan la bayo Memphis Depay avec Franck Kessié et puis pour t'apprendre Joaquin Correa et puis Marcelo Brozovic selon Gazeta de Lo Sport. Bon Franck Kessié c'est un très bon joueur qui presse pas dans la jeune FC Barcelone non. Je pense que si Franck Kessié était gain temps de jeune équipe FC Barcelone là ou était capable Franck Kessié et avait volé beaucoup mieux par rapport de ça il pensait des liens. C'est vrai il a cité non Marcelo Brozovic et qui c'est un joueur qui passait des présentations, ça fait un bon bout de temps qu'a mené équipe Inter de Milan mais Franck Kessié nous connaissons qui était champion avec le Milan AC, mais problème temps de jeu arrivé et bail problème qui fait que nous pas ka wè Franck Kessié nous te connou en équipe et Milan AC. Et puis gen Rodrigo De Paul et après champion du monde là après match il était joué contre la France là il était rejoint dans club li qui c'est Atlético de Madrid et bien il pouko jouer même yon minute avec Atlético de Madrid et bien Simeone qui dit li pa vle jouer nan Atlético de Madrid li dit et international argentin pour chercher yon nouveau club li dit li pa baiser Rodrigo De Paul chouchou Lionel Andrés Messi je sa ki Messi en pile bon ami Messi et je sa ki Messi en pile n'a parlé de Rodrigo De Paul et ménage Messi qui t'est parlé il t'est parlé de dit comme ça parfois et Leli dit Rodrigo De Paul je t'aime et puis Rodrigo De Paul répond ni je t'aime Messi tellement et ouais gion l'amour entre Rodrigo De Paul avec Lionel Andrés Messi et Diego Simeone qui dit pour Rodrigo De Paul chercher un nouveau club parce qu'il pas veut dans Atlético de Madrid et bien dirigeant Atlético Madrid qui gétant a pas chercher un milieu de terrain et il a fait et Sofiane Amrabat Zidou Piota requitté dans l'équipe Fiorentina et dirigeant Atlético Madrid qui a préparé une offre pour faire pour Amrabat cap évoluer dans l'équipe Fiorentina. N'a pas toujours été avec dossier transfert et bien gen dirigeant FC Barcelone et cap préparé pour mettre Rafinha sur marché transfert et bien Arsenal cap préparé une offre pour le faire pour international brésilien. N'a parlé de Rafinha ancien joueur Lud United qui était rejoint dans football club Barcelone et bien dirigeant qui dessus des performances joueur et bien il a préparé pour mettre sur marché transfert en cas où il a joué dans une bon offre pour joueur il a pas quitté aller bien gain dirigeant Arsenal yo cap préparer une offre pour faire pour Rafinha ça Simeone même qui avec De Paul encore c'est compatriote pour compatriote oui mais c'est argent ça fait l'argent investi papa pas gain bail ça pas gain ça même c'est toutefois que De Paul pas entrer dans philosophie li c'est normal pour penser à qui on l'autre monde oui mais bien que nous connaissons De Paul c'est un très bon joueur bel milieu de terrain qui récupère à la fois tout qui fait passe et qui fait jouer là surtout avec une longue passe et De Paul yo nous pensons qu'il est capable de porter pour l'équipe Atlético de Madrid là mais nous est Cholo lui-même qui parlait qui dit pas remet forme tête Rodrigo De Paul continuer bon Léa qui est déjà arrivé et n'a pas quitté le dossier football n'a pas traversé dans le basketball gain et LeBron James qui vient deuxième joueur dans l'histoire de la NBA qui marqué 38 000 points dans un Kayeli et le vin deuxième joueur qui marqué et point ça n'a parlé de LeBron James Kenito.
Eh bien, voilà, mais juste avant que nous-mêmes nous mettions en bout, parce que dans tout un studio radio de l'époque, il a déjà fait 4 boules. Eh bien, quittez-nous saluer quelques mounes qui étaient en bas live là. Gain Luné Argent et qui était là tout. Gain Jean-France et qui en bas live là. Et gain, on est gâtant quoi. Donc, pub, Olri et Saint-Fort. Et puis, ouais, c'est lui qui s'est collaboré, nous babo ici. Et puis, Yves Nakola, collaboratrice nous. Eh bien, nous sommes contents pour nous déboter édition ça pour vous. C'était un plaisir pour nous déboter et proche au stade pour après-midi. N'a dit tout le monde, n'a bon rendez-vous, c'est bras là pour demain avec proche au stade. Mais bonsoir, Kervens. Bonsoir, Hippolyte. Bonsoir, tout le monde. Et bon après-midi.